Welcome everyone to this session. Bienvenue à toutes et à tous à cette session. Je suis ravie d'être des vôtres. Merci pour votre patience. On avait quelques problèmes techniques, ce qui est ironique puisque nous allons aujourd'hui parler de la numérisation. Merci à toutes et à tous. C'est vraiment un rêve pour moi qui se concrétise. C'est un plaisir d'être avec vous, de partager les bonnes pratiques, notamment concernant sur cette thématique importante pour les diasporas. Je suis donc Dr. Larissa Lara, je travaille pour l'OIM et c'est vraiment un plaisir d'être des vôtres aux côtés de plusieurs intervenants. Donc notre session est vraiment intéressante, on va parler de la numérisation et de l'engagement de la diaspora. Comme vous le savez, la COVID nous a montré que le monde numérique est clé pour le développement et pour tisser des liens. L'innovation numérique a refaçonné le paysage en matière d'engagement de la diaspora, qu'il s'agisse du format, de l'intensité, les gens sont toujours plus connectés. Évidemment, il faut aussi garder en tête que tout ceci implique son lot de défis en matière de confidentialité, de capacité technologique et d'autres problématiques en matière d'engagement de la diaspora. Par exemple, les jeunes sont plus impliqués, participent davantage aux réseaux sociaux, ils envoient des messages partout dans le monde, donc il y a vraiment cette interconnectivité. Nous savons donc que la diaspora joue un rôle clé. Nous avons avec nous plusieurs intervenants. Je tiens également à remercier notre institut partenaire qui a pu rendre cette réunion une réalité. Je suis ravie de vous présenter Dr. Osaf Saïd, qui est diplomate, qui travaille pour les affaires étrangères en Inde. Il a travaillé de nombreuses années en matière de diplomatie. Et donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous à cette discussion des plus intéressantes. Et sans plus attendre, je vous donne la parole, Monsieur Dr. Osaf Saïd. Un grand merci, chers délégués, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi que d'être des vôtres cet après-midi à l'occasion du sommet mondial de la diaspora. Nous allons aujourd'hui parler de la diaspora numérique, outils technologiques au service de l'engagement. Comme vous le savez, l'Inde a une grande diaspora partout dans le monde. 32 millions de ressortissants indiens se trouvent partout dans le monde. La diaspora indienne contribue de façon significative au développement durable de leur pays de résidence et ainsi que de mon pays, l'Inde. S'agissant des transferts de la technologie, du partage de connaissances, la diaspora joue également un rôle. Nous avons également des interactions étroites avec notre diaspora en matière de diplomatie. Nous avons des ressortissants indiens dans les Caraïbes, ainsi que dans de nombreux autres pays dans le monde. Il y a eu une transformation draconienne de l'écosystème numérique en Inde avec beaucoup de nouveaux utilisateurs d'Internet, plusieurs millions seulement l'année dernière. Et tout ceci est amené ce chiffre est amené à s'accroître au cours des années à venir. Aujourd'hui, l'Inde est le deuxième pays comptant le plus d'utilisateurs d'Internet dans le monde. La diaspora œuvre dans plusieurs aspects de notre vie et l'Inde s'engage à fournir des services universels à l'ensemble de ses citoyens en matière de technologie. Nous avons constaté une transformation en Inde, notamment une modification de notre service de soins de santé qui se fonde maintenant sur des cartes numériques qui s'inspirent du modèle américain. Tout ceci a pour objectif
de garantir à tous nos citoyens un accès rapide et fluide aux services publics. L'Inde s'est également engagée à utiliser les outils technologiques pour interagir avec la diaspora. Nous avons développé et intégré des plateformes de migration pour faciliter les départs, créer des partenariats et des accords. Nous allons également intégrer des plateformes similaires et aider les pays à entreprendre ce type de modifications s'agissant de plateformes de migration. Nous avons également créé un programme de passeport. C'est un programme ambitieux qui vise à simplifier et harmoniser tous les processus de délivrance de passeport. Donc, il s'agit d'un outil technologique qui vise à faciliter l'obtention d'un passeport. En Inde, la question des passeports est liée au ministère des Affaires étrangères et nous nous sommes engagés donc à fournir à l'ensemble des citoyens des passeports avec des puces numériques. À l'heure actuelle, nous envisageons également une harmonisation de tous les processus de numérisation liés aux puces des plateformes. Donc, ce sont autant d'exemples qui montrent les changements numériques en Inde au service de la diaspora. Nous avons également mis en place des services de traduction automatique sur l'ensemble des plateformes gouvernementaux qui permettent donc à l'ensemble des ressortissants indiens d'avoir accès à des sites Internet dans la langue qu'ils comprennent. Depuis le lancement d'un portail visant à répondre aux griefs des ressortissants indiens à l'étranger, nous avons pu aider de nombreux citoyens à l'étranger. Nous œuvrons donc en faveur de l'engagement de la diaspora et nous voulons améliorer l'accès aux services publics et tisser des liens plus étroits avec les diasporas qui se trouvent en Inde. Nous avons créé une plateforme innovative qui a été lancée afin de créer des partenariats entre les citoyens et le gouvernement. Tout ceci repose sur les technologies pour le développement de l'Inde. Grâce à cette plateforme, tous les citoyens peuvent interagir avec le gouvernement, avec le Premier ministre, et donc participer à l'élaboration des politiques. De même, le ministère des Affaires étrangères a lancé un portail pour l'immigration qui vise à mettre à jour l'ensemble des bases de données des citoyens indiens vivant à l'étranger. Cela leur permet d'avoir accès à des informations concernant les événements qui sont organisés par les ambassades indiennes à l'étranger. De même, nous avons lancé un portail pour les étudiants indiens à l'étranger. Ce portail permet de créer une base de données et d'aider l'ensemble des étudiants indiens qui partent faire leurs études dans un autre pays. Nous avons également différents systèmes en vigueur qui permettent de créer des liens entre la diaspora et qui permettent à la diaspora de contribuer au pays d'origine. Par exemple, il y a un programme qui a été créé, à savoir le programme Découverte de l'Inde, qui permet de garantir des engagements sur le plan scientifique avec la diaspora indienne. Il y a également des programmes de recherche avancés qui ont été lancés. L'idée est de connecter les universitaires
indiens entre eux. Donc, ce sont autant de programmes qui visent à associer la diaspora et notamment les membres de la diaspora qui travaillent dans le domaine scientifique. Comme vous le savez, l'ensemble des citoyens peuvent avoir accès en Inde à la carte OCI qui leur donne donc les mêmes droits en tant que citoyens. Nous avons également lancé une initiative en 2003 afin de garantir aux citoyens détenant cette carte OCI d'interagir entre eux. Nous œuvrons également à l'utilisation des plateformes de réseaux sociaux, Twitter et Facebook, afin d'aider les migrants en détresse. Ces plateformes sont également des porte-parole pour les travailleurs migrants à l'étranger. Les réseaux sociaux ont également été utilisés de façon très efficace lors du plus grand exercice d'évacuation qu'ait connu l'Inde depuis des années. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, il s'agissait du plus grand exercice d'évacuation de l'histoire humaine. Les technologies ont donc été utilisées pour mobiliser les informations, mobiliser les citoyens. Et nous avons donc utilisé les outils d'alerte précoce, les outils numériques, pour permettre une évacuation. Nous utilisons également les technologies pour garantir le transfert de fonds, le renforcement des capacités, entre autres. Et d'ailleurs, ces outils technologiques sont utilisés par notre diaspora. Évidemment, nous sommes confrontés à des obstacles puisque tous les citoyens ne sont pas sur un pied d'égalité en matière d'accès à la technologie. Dans certains pays, il y a des problèmes de débit d'Internet. Ceci étant dit, je pense que la diaspora indienne a vraiment bénéficié de l'utilisation de la technologie. Elle a permis de créer des liens au-delà des frontières. Et tout ceci a évidemment permis au développement durable de l'Inde, notamment sur le plan social et de l'éducation. De nombreux groupes de diaspora religieuse en Inde ont également adopté ces technologies. Nous demandons également à la diaspora indienne d'agir, notamment en faveur de la promotion culturelle, du yoga, de la diplomatie culturelle. Et en ce sens, nous voulons vraiment utiliser ce soft power pour mettre en lumière les caractéristiques de l'Inde. Des missions diplomatiques ont également intégrer leurs propres outils technologiques, à savoir des portails. Par exemple, pendant la pandémie, certaines missions diplomatiques ont commencé à lancer des réunions sur Zoom en virtuel. Donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, nous sommes enthousiastes. Nous avons tiré profit de la technologie pour engager notre diaspora et nous avons également constaté que cette technologie peut être utilisée pour résoudre des problèmes auxquels nous nous heurtons. Mais évidemment, il faut aussi prendre en considération l'évolution de ces technologies, voir comment ces technologies peuvent être utilisées par notre diaspora. Et également promouvoir les plateformes que nous avons créées auprès de notre diaspora. J'espère que cette session
nous donnera des clés pour nous améliorer sur cette thématique. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette session et je vous souhaite des débats fructueux. Je vous remercie. Merci, Dr Saïd, pour cette présentation. C'est intéressant de voir ce qu'a fait l'Inde en matière d'engagement sur le plan numérique avec la diaspora. C'est vraiment intéressant de voir ce que vous avez fait. Vous avez donc partagé des informations, renforcé les capacités. Et ce qui m'a intéressé, c'est aussi cette horizontalité que vous avez pu créer avec votre diaspora. Vous écoutez directement les requêtes de votre diaspora par l'intermédiaire de la technologie. Et on constate également au sein de l'OIM que tout ceci, c'est clé pour l'élaboration de programmes et de politiques. Le feedback de la diaspora, les besoins de la diaspora donc, sont vraiment nécessaire et intéressant. Il faut aussi donner la possibilité à la diaspora de choisir avec qui il souhaite, auprès de qui il souhaite s'engager, de quelle manière, grâce à quel outil. Alors évidemment, il y a le rôle du secteur privé qui est tout à fait clé. Vous l'avez mentionné dans votre intervention. Des entreprises telles que Facebook, et des fournisseurs de services sont sur le marché. Et d'ailleurs, ça me permet de vous présenter aujourd'hui notre intervenante qui nous vient des États-Unis, Semar Araya, qui travaille à Facebook. Semar est à la tête de la politique en matière de diaspora pour plusieurs régions dans le monde. Elle est également à la tête du réseau des femmes africaines de la diaspora. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais vous donner la parole. Un grand merci. Merci beaucoup, Larissa. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Semar Araya et je suis ici au nom de Facebook, qui s'appelle maintenant Meta. Je suis sûre que vous connaissez déjà cette application. Avant de partager mes réflexions, je souhaiterais me présenter brièvement. Pour les personnes qui n'ont pas encore entendu le fait que Facebook ou Meta se focalise sur les diasporas, ma famille vient d'Érythrée. J'ai grandi avec une grande sœur qui n'a pas la même mère que moi et qui m'a inspirée. Mon histoire est similaire à de nombreuses autres histoires. Ma famille est venue aux États-Unis pour des raisons d'éducation et a essayé de retourner chez elle, mais au fur et à mesure que la guerre s'est intensifiée, ma famille a réalisé qu'elle devait s'installer durablement aux États-Unis. Moi, je suis née dans une période dans laquelle la diaspora était en augmentation constante. On m'a amenée à des manifestations en faveur de la paix. J'ai suivi de nombreuses manifestations et en tant que érythréenne de deuxième génération, j'ai vraiment suivi les mesures de protection de la diaspora et de la société civile pour favoriser le développement. Nous avons établi de nombreuses discussions en matière de migration et de développement lié à la diaspora. Et une des conséquences positives du pacte de Marrakech, c'est la focalisation sur l'objectif 19, c'est-à-dire le lien entre les migrants, la diaspora et le développement. Chez Meta, nous sommes une entreprise privée, mais nous sommes aussi une entreprise mondiale. Nos outils sont utilisés par de nombreuses personnes dans le monde entier. Je vais maintenant vous partager quelques réflexions. Nous allons parler des outils numériques qui existent pour justement engager la diaspora. J'aimerais que vous réfléchissiez un instant à la dernière fois où vous avez reçu un message d'un de vos proches. Peut-être que c'était un appel pour vous dire
pour prendre de vos nouvelles ou un message pour vous souhaiter un bon anniversaire ou alors c'était peut-être un appel vidéo et vos proches étaient ensemble après avoir été séparés pendant longtemps ou alors c'est un message dans une messagerie de groupe avec vos amis de l'école ou vos voisins. Ce sont des exemples qui sont représentatifs de la façon dont la diaspora est engagée avec ses proches. On sait qu'il y a aussi justement des groupes qui sont liés à des causes, à du soutien de la communauté d'origine. Et il y a de nombreuses personnes de la diaspora qui souhaitent poursuivre des échanges socio-économiques, culturels et qui souhaitent soutenir des causes dans leur pays d'origine. Pour de nombreuses personnes du monde entier, ce sont des choses qui sont quotidiennes sur leur téléphone et sur leur ordinateur. Ces exemples que je viens de partager avec vous vous ont peut-être ramené à une conversation, à un message que vous avez reçu il y a quelque temps. Et il est très probable également que ces messages, vous les ayez reçus via les réseaux sociaux. Nous sommes totalement conscients que Facebook, Instagram, WhatsApp, sont des outils qui permettent de renforcer de communautés, d'amplifier des voix et de sensibiliser à des problématiques qui sont importantes pour les diasporas et leurs communautés d'origine. Nous savons que ces outils sont utilisés dans le monde entier pour le secteur privé, par le gouvernement. Nous partageons donc notre message en prenant en compte les gouvernements, les ministères. Nos outils et nos produits peuvent continuer à renforcer vos initiatives en matière de diaspora. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de diaspora numérique? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les diasporas souhaitent se connecter, rester en ligne et établir des liens avec leur communauté locale et la communauté de leur pays d'origine. Les migrants de première génération continuent à suivre très étroitement ce qui se passe dans leur pays d'origine et les migrants de deuxième génération, comme moi, continuent également d'établir des liens avec leur communauté d'origine. Et alors, quand c'est la troisième ou la quatrième ou la génération suivante, les liens sont un peu plus distendus. En tout cas, ces outils permettent de maintenir des liens, que ce soit numérique ou en personne. Nous le savons, et chez Meta, nous essayons de déterminer pourquoi cette expérience aide dans le contexte numérique. Nous savons que cette expérience s'étend aux entrepreneurs, aux organisateurs de communication, à des communautés religieuses, à des communautés sous-représentées, à des femmes qui sont de plus en plus autonomes pour exprimer leur voix, leurs idées. Et nous savons également que c'est quelque chose de nouveau. Si on observe les données relatives aux réseaux sociaux de la dernière décennie, par exemple, il y a eu vraiment un essor du dialogue sur la diaspora et son utilité, et tout cela connecté aux moyens numériques. Je pense à deux exemples. Très souvent, par exemple, j'ai un appel WhatsApp ou alors je reçois une vidéo sur Facebook et j'ai des nouvelles de mon pays d'origine grâce à ces outils. Donc, ces outils sont un lien, une ligne de vie qui permet de garder un lien entre la communauté et le pays d'origine, qui permet de maintenir des liens entre les personnes de plusieurs pays, entre les gouvernements et leur diaspora. Et avec 3 milliards d'utilisateurs dans le monde entier, nous sommes un des premiers moyens de communication de la diaspora. Nous comptons donc sur nos produits
pour réaliser ce qu'on appelle l'expérience numérique de la diaspora. Nous essayons donc d'analyser les impacts sociaux, civiques, culturels de nos outils sur la diaspora. Nous avons découvert que nos outils ont pu permettre de soutenir certaines actions. Nous avons pu également établir des opportunités, des façons de renforcer l'expérience de la diaspora sur nos plateformes. Et nous avons également identifié plusieurs moyens avec lesquels les entités qui ne font pas partie de la diaspora pouvaient justement travailler avec la diaspora. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord commencer par réaffirmer la définition de la diaspora du point de vue de Meta. Chez Meta, nous avons adopté plus ou moins la définition de l'OIM de 2013. Avant les flux de migration énormes qu'on a vus au cours de la dernière décennie. Nous considérons qu'il s'agit des personnes qui ont des liens très étroits avec leur pays d'origine. Les communautés de diaspora maintiennent ou développent des liens avec leur communauté ou leur pays d'origine, mais grâce aux réseaux sociaux. Deuxièmement, pour l'équipe de l'Afrique et du Moyen-Orient, dans laquelle je travaille, nous travaillons avec les diasporas africaines et turques en dehors de ces continents. Ce que nous faisons, c'est créer un cadre qui peut être appliqué ensuite à toutes les diasporas. Le rôle de ces outils dans la façon de façonner les différentes activités et les politiques est essentiel. Cela permet de renforcer et d'approfondir les relations avec la diaspora et ça permet également de développer la croissance économique, la prospérité sociale et de poursuivre l'établissement de la prospérité. C'est pour cela que les gouvernements communiquent avec la diaspora. Voilà la façon dont nous voyons la diaspora. En termes d'engagement de la diaspora, nous trouvons qu'il y a de nombreuses variations entre Facebook, Instagram et WhatsApp. Tout d'abord, le facteur numéro un pour laquelle la diaspora utilise nos plateformes, c'est pour construire des communautés qui représentent leur identité, leurs affinités, leurs centres d'intérêt et des communautés qui s'étendent au-delà des frontières. Donc, créer une communauté en tant que membre de la diaspora, ça peut être différentes choses. Ça peut être un réseau d'anciens étudiants d'une école particulière, un groupe d'affinités pour des professionnels, une organisation qui représente les groupes sous-représentés, une organisation qui défend une cause sociale dans leur pays d'accueil ou dans leur pays d'origine. Mais en tout cas, la communication, c'est le facteur numéro un. Deuxièmement, un autre domaine que nous voyons, c'est les opportunités qui existent en matière d'impact social. Il y a plusieurs façons dont la diaspora recherche à créer un impact social dans le pays d'origine. Ça peut être via des organisations auxquelles je me suis référée juste avant. Ça peut être par des partenariats ou via des organisations partenaires, via un réseau, via des initiatives de sensibilisation. Je pense par exemple à l'égalité des genres et la représentation de groupes sous-représentés. En utilisant nos outils, comme les pages Facebook, les vidéos Facebook avec des lives qui permettent d'avoir une conversation en temps réel,
Et sur Instagram, il est également possible de faire des lives. Nous voyons qu'il y a vraiment des efforts réalisés pour qu'il y ait un impact social grâce à nos outils. Troisièmement, en plus de cet impact social global, nous avons observé que les diasporas utilisaient nos outils pour amplifier leur voix et pour effectuer de la défense d'intérêts. Cela peut être via des groupes qui défendent les droits humains, qui défendent la paix. Il y a également, encore une fois, des groupes qui sont sous-représentés. Et l'idée, c'est d'amplifier différentes narratives, différents récits, que ce soit des acteurs des droits humains, des organisations de la société civile ou des individus qui souhaitent partager leur créativité et leurs idées. Il y a également d'autres exemples dont on a entendu parler lors des sessions précédentes aujourd'hui. Par exemple, la philanthropie de la diaspora, le recueil de fonds. Il est possible d'utiliser nos plateformes pour recueillir des fonds. Par exemple, il y a deux initiatives basées en Afrique qui ont permis de mobiliser des ressources, que ce soit en Afrique ou en Inde. La plupart de ce travail est réalisé sur des plateformes comme les nôtres et s'étend également à des initiatives qui soutiennent les États au niveau local et également les États d'origine. On a également beaucoup de travail qui est réalisé avec les ONG ou les associations. Meta, en général, se focalise sur l'amplification des voix. Et c'est encore plus le cas pour la diaspora. Nous avons de nombreux exemples avec des petites entreprises, des PME aux États-Unis ou en Europe qui sont issues de la diaspora et qui ont pour objectif de servir les clients en Afrique ou en Turquie. Et vice-versa. Donc, des services qui viennent du continent et qui sont destinés aux personnes de la diaspora en Europe. Et cela, c'est fait via notre plateforme, nos plateformes. Par exemple, Instagram est un endroit particulièrement adapté pour les entrepreneurs qui souhaitent partager leurs services, leurs produits pour les petites PME. Un des derniers exemples que j'ai et qui... pour lequel je suis particulièrement enthousiaste, c'est que nos produits et nos outils sont particulièrement inspirants. Tout d'abord, il y a vraiment un partage de connaissances et de compétences. Nous avons identifié qu'il y avait des organisations qui utilisent Facebook Watch, Facebook Live, et qui utilisent les caractéristiques de groupe de Facebook, qui sont des éléments de nos produits. Et avec lesquels vous êtes probablement familier. En tout cas, il y a un transfert de connaissances et de compétences entre les entités qui sont basées sur la diaspora et qui ciblent leur pays d'origine afin de renforcer les capacités de formation, de compétences, afin d'aider les PME et TPME. Nous savons qu'on parle beaucoup de l'accessibilité d'Internet dans le monde entier. Et nous savons que les problématiques de connectivité restent quelque chose de majeur. C'est une des préoccupations majeures de la diaspora. Nous avons également identifié le rôle des diasporas dans la réponse aux catastrophes. Et la diaspora mobilise des ressources en utilisant nos plateformes. Nous savons que les diasporas sont les premiers à répondre pour faire face justement à de telles crises en utilisant nos plateformes. Un des outils qu'on a et qui est accessible
dans le monde entier, c'est la notion de don à des associations caritatives. C'est-à-dire que les diasporas, par exemple, travaillent avec des associations caritatives qui effectuent des actions précises dans certaines parties du monde. Vous avez sûrement vu des invitations à partager à ce genre de collecte de fonds. Par exemple, il y a eu des collectes de fonds pour les personnes affectées par une crise au Sierra Leone ou par un typhon dans un autre pays ou par des tempêtes en Inde. Nous avons vu ça dans les informations, mais nous ne savons pas comment ça fonctionne. En fait, ça fonctionne via différents outils. Par exemple, l'outil qui permet de dire que tout va bien pour nous, que nous sommes en sécurité. Et là, on voit qu'il y a vraiment une communication de la diaspora avec les acteurs locaux et avec leur pays d'origine également. Cette réponse n'est pas limitée aux activités des utilisateurs de la diaspora. Et je pense que c'est là qu'on peut établir davantage d'opportunités. Nous utilisons, de nombreuses personnes utilisent notre plateforme et les délégués qui sont là, les représentants qui sont là au nom des ambassades, nous vous invitons à partager avec nous comment vous utilisez vos pages Facebook, par exemple, pour communiquer avec les diasporas. Par exemple, le gouvernement d'Haïti a communiqué avec sa diaspora lors des temps de crise, notamment des ouragans. Et nous savons que les ambassades communiquent régulièrement avec les citoyens de leur diaspora à l'étranger et nous souhaitons nous assurer que les pages et les outils que nous proposons sont utilisés à cet effet et au service de la diaspora. Voilà, j'ai partagé ce que signifie pour moi une diaspora numérique. En conclusion, vous pouvez vous demander peut-être comment est-ce qu'on réalise ce travail. Je fais partie de l'équipe qui gère les politiques liées à la diaspora en Turquie et en Afrique. Il y a des équipes qui sont dédiées à chaque pays du monde, à peu près, oui. Et nous travaillons sur la compréhension des défis en matière politique, des problèmes environnementaux au sein d'un pays, mais aussi au niveau mondial. Nous essayons de comprendre les tendances, le développement qui est lié aux technologies, aux entreprises, ou les problématiques telles que la liberté d'expression, les sujets tels que la liberté d'expression. Nous travaillons donc avec les gouvernements, la société civile et les acteurs de la diaspora. Nous savons que les acteurs de la diaspora sont des acteurs clés. Et c'est pour cela que nous considérons que la diaspora est un acteur qui peut travailler avec la société civile. Même si la diaspora est hors de son pays d'origine, elle continue à avoir un rôle majeur dans son pays d'origine. Donc, nous considérons que les diasporas sont un acteur en matière de politique publique. Et nous reconnaissons également que les diasporas disposent de compétences particulières. Donc, mon équipe travaille avec les acteurs de la diaspora de descendance africaine et du Moyen-Orient. Nous travaillons également dans d'autres régions du monde, avec les Philippines, avec l'Inde. Et cela parce que nous effectuons un investissement important dans ces outils de communication des diasporas. Tout cela pour que les relations soient plus sécuritaires dans le monde. Il s'agit vraiment d'exacerber les relations de la diaspora et s'assurer que les processus soient sûrs et efficaces pour les utilisateurs et pour les destinataires de ces contenus. Donc, ce qui est important pour nous, c'est l'avenir. Nous savons que les diasporas vont continuer d'avoir une action numérique
comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce soit sûr, comment on peut continuer à amplifier leur voix, comment est-ce qu'on peut leur permettre d'utiliser les plateformes. Et dans le nombre d'utilisateurs que nous avons, il y a des risques de blessures ou d'atteintes de personnes. Et bien entendu, certains comportements qui sont inappropriés, qui peuvent se développer sur nos plateformes. Donc, il faut que nous assurions que les diasporas, comme tous les autres utilisateurs, comprennent les règles qui régissent nos communautés et nos plateformes. Et qu'est-ce qu'une violation de ces règles ? Et également, comprendre les objectifs de ces types de plateformes dont j'ai parlé. Nous avons parlé de la sécurité des utilisateurs. En tant que Meta, nous avons dévoilé notre vision pour l'avenir entre la métaverse, comment nous souhaitons nous connecter de façon virtuelle et numérique. Il y a une rupture numérique qui met en danger l'égalité des personnes dans le monde entier et également l'avenir du métaverse. Je pense aux situations de développement, de transfert de technologies, de transfert de compétences. Comment est-ce qu'on peut faire ça de façon virtuelle via le métaverse? J'ai cet exemple en tête d'un jeune qui a partagé son expérience avec des millions de personnes. Il a réalisé des éléments virtuels, visuels, pour une église en Arménie. Et en fait, pour la grand-mère de cette personne-là, c'était comme si elle était dans cette église. Donc voilà pour vous présenter que le métaverse va pouvoir permettre de préserver notre héritage culturel. Et c'est une des aspirations de la diaspora. Nous souhaitons nous assurer que la diaspora continue à créer des ponts entre les personnes et que ce type d'outil reste disponible pour toutes les communautés du monde. Je souhaitais exprimer ma gratitude à vous tous qui nous avez rejoints aujourd'hui et particulièrement à l'OIM qui nous a invités aujourd'hui. Je souhaitais également exprimer ma reconnaissance à l'Inde qui organise cette session. Et je souhaitais également remercier Kingsley et une autre personne. Et finalement, qui ont organisé cette réunion, au nom des femmes de la diaspora qui participent à cette réunion, nous savons que le monde continue à ouvrir de nouvelles portes grâce au numérique et que nous en avons besoin. Votre travail est incroyable et j'ai hâte de faire partie de votre communauté. J'ai hâte d'entendre la prochaine contribution. Merci, c'était vraiment très inspirant. Je suis ravie d'être dans ce panel, d'apprendre de votre expérience au sein du secteur privé. Vous avez vraiment abordé de nombreuses thématiques. Je vais essayer de tout résumer, mais c'est vraiment formidable d'entendre vos expériences. J'ai beaucoup aimé votre partie concernant l'engagement émotionnel dans le monde numérique, qui bien souvent n'est pas vraiment visible. Et la réponse également aux crises que vous avez mentionnées, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'il y a un tremblement de terre chez moi, eh bien la première chose que je fais, c'est d'aller voir sur Facebook pour vérifier que tout le monde aille bien. Donc vraiment, il y a aussi cette connectivité, cette connexion émotionnelle. Et aussi le fait que la diaspora partage son expérience par l'intermédiaire des moyens numériques. Il y a aussi une identité sur plusieurs facettes. Les femmes s'engagent, notamment les femmes africaines, comme vous l'avez dit. Donc, elles s'engagent au niveau local, au niveau régional. Donc, tous ces niveaux sont vraiment très intéressants. Et
Il y a aussi donc le niveau évidemment mondial que vous avez mentionné. Nous avons créé un outil, une plateforme qui s'appelle AI Diaspora et je vous encourage à aller voir comment fonctionne cet outil. Et aussi l'objectif que vous avez mentionné, pourquoi est-ce que les gens s'engagent? Est-ce que c'est pour créer des liens émotionnels, pour des questions financières, pour renforcer l'identité? Donc, ce sont autant de thématiques qui sont importantes concernant l'engagement de la diaspora. Il y a aussi tout cet aspect plus interactif, l'utilisation par les jeunes de Facebook et de tous les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est un large éventail d'utilisation et plusieurs raisons qui justifient l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment très intéressant de discuter de tous ces points. Vous avez également mentionné le plaidoyer, tout à fait. Vous avez raison, il y a tant de mouvements qui prospèrent sur les réseaux sociaux et qui vraiment ne connaissent plus de frontières grâce aux réseaux sociaux. Donc, merci d'avoir mentionné cela. Et enfin, dernier point, c'est l'approche multipartite que vous avez mentionnée. La façon dont on peut mettre en place des outils pour répondre aux besoins de la diaspora et pour faire en sorte que la diaspora se trouve vraiment au cœur des efforts en matière de développement. Donc, merci beaucoup. Et je donne maintenant la parole à notre dernier orateur. Je suis ravie d'entendre son expérience. C'est un plaisir de vous présenter Dr. Kumar, qui est président du Centre culturel indien d'Irlande. Donc, vous travaillez pour une organisation fondée sur la diaspora et vous vous spécialisez sur la culture. Et ce n'est pas vraiment ce qui nous vient en tête de suite quand on parle de la diaspora, mais c'est vraiment un moteur qui permet d'interagir avec la diaspora. De nouveau, merci Madame Araya, c'était un plaisir de vous entendre et la parole est à vous, Monsieur Kumar. Un grand merci, Larissa, pour cette présentation. Donc, nous venons d'entendre le docteur Saïd, Madame Araya, et donc c'est vraiment difficile d'intervenir en troisième position ici. Je vais vous parler des outils technologiques à la disposition de la diaspora pour permettre son engagement. Chers amis, nous savons que l'OIM organise donc le sommet mondial de la diaspora sur donc toutes les questions qui portent à la diaspora. Je me sens vraiment honorée que de faire partie de ce sommet. Il faut bien comprendre ce qu'est la diaspora numérique pour comprendre l'implication des outils technologiques au service de son engagement. Comme nous l'avons dit, la diaspora, c'est un groupe de personnes qui se déplacent d'un pays d'origine vers un pays d'accueil. Et donc, la diaspora numérique se distingue parce qu'il s'agit d'un groupe qui, sur les réseaux sociaux, partage sa culture, interagit, promeut les politiques de son pays d'origine et débat concernant des questions d'intérêt commun, et ce, par l'intermédiaire d'outils numériques. Les outils technologiques tels que Twitter, WhatsApp, TikTok, Facebook ont vu le jour au cours de la dernière décennie. Je vis à Dublin, en Irlande, et à l'époque, quand je suis arrivée, il y avait très peu d'immigrants. Les personnes qui venaient en Irlande étaient soit ingénieurs, soit médecins. Il y avait très peu de communautés, donc c'était particulièrement difficile d'interagir avec les ressortissants indiens et de créer ce sentiment de diaspora. Il y avait très peu de volontaires qui essayaient de créer cette union. Et puis sont arrivés les réseaux sociaux, le Facebook, WhatsApp. Les avancées en matière de technologie ont créé une prolifération des outils de l'information et de la technologie. Ces outils ont permis de faciliter, de transformer les possibilités qui s'offrent à la diaspora.
Grâce à ces outils, et ces outils qui sont appliqués au domaine de la culture, eh bien, la diaspora est renforcée. Il y a moins d'écart au sein des communautés. Les réseaux sociaux permettent d'aller outre les spécificités de groupe, les religions, les ethnicités. Et donc, la technologie permet de rapidement influer sur la politique. Elle permet également d'être solidaire et de tisser des liens étroits, ainsi que des relations étroites. Les outils technologiques doivent donc être diffusés le plus possible. Ces outils ont vraiment changé notre manière de vivre et ont bouleversé nos mentalités. Aujourd'hui, les outils technologiques sont indispensables à notre quotidien. Les smartphones ainsi que le numérique a des conséquences sur la migration. Tout ceci permet de faciliter l'accès aux informations, des informations concernant les pays d'origine et les pays de destination. Permet également aux migrants de garder des liens avec leur famille. Grâce à la technologie, il est également nécessaire de promouvoir les bienfaits de l'immigration. Comme l'a dit Dr Saïd, l'Inde s'engage à favoriser l'utilisation de la technologie et à faire des progrès en ce sens. Nous avons besoin de politiques adaptées pour encadrer l'interaction avec la diaspora, ainsi que pour rapprocher les liens entre le pays d'origine et les diasporas. Grâce aux outils technologiques, on pourra renforcer les relations et garantir des liens entre les pays d'origine et les pays d'accueil et accroître les interactions sur le plan économique entre ces deux pays. La diaspora doit également jouer un rôle de partenaire dans le développement durable. Permettre de créer une situation gagnant-gagnant, que ce soit pour les membres de la diaspora, pour le pays d'origine comme pour le pays de résidence. Toutes les organisations sont connectées entre elles grâce aux outils technologiques. Et de nombreuses réunions sont organisées grâce aux outils technologiques. La technologie a vraiment été une plateforme qui a permis à tous les membres de diaspora de rester connectés, notamment pendant la période de la pandémie, lorsque tout le monde restait chez soi. Personnellement, et les membres de ma diaspora peuvent également témoigner, nous avons bénéficié de ces outils technologiques, notamment grâce à la diffusion d'informations que ces outils permettent. Les outils technologiques recueillent de nombreuses données. La mauvaise utilisation de ces données, comme nous l'avons constaté avec des utilisations et mauvaises utilisations des données au sein de la NHS, peuvent donc représenter des risques. Par exemple, les terroristes peuvent utiliser la technologie pour poursuivre leurs objectifs. Ainsi, cette utilisation de la technologie doit s'accompagner d'une législation stricte pour garantir qu'elle soit utilisée à bon escient. Ceci étant dit, les technologies représentent un véritable avantage pour la diaspora et pour les ressortissants à l'étranger. En bref, les avantages de la technologie sont bien plus importants que les dangers qu'elle représente. Un grand merci pour ce partage d'informations
pour tous ces exemples d'utilisation des technologies de la part de la diaspora. Alors, j'aimerais lancer nos débats. Nous avons 20 minutes de débat. Alors, pour faire en sorte que nos débats soient interactifs, je vois qu'il y a des demandes de prise de parole. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à allumer votre micro. Je pense que ça peut être intéressant de créer un débat. Ça sera plus interactif. Alors, je vais demander à Tracy ou Connor d'allumer leur micro. Vous avez une question concernant la voix de la diaspora, donc nous pouvons commencer par vous. Merci. Merci, Dr. Kumar. Merci, Dr. Saïd. Merci, Madame Araya, pour votre contribution aujourd'hui. Je suis basée à Dublin et j'étais membre de la diaspora. J'ai vécu en dehors de l'Irlande pendant plusieurs années. Et Dr. Kumar, j'aurais une question à vous poser. Lorsque vous avez mentionné l'impact de la diaspora sur les changements en matière de législation, je me demandais si vous parliez de législation dans les pays d'origine ou dans les pays de résidence. Et je me demandais vraiment quelle était l'ampleur de l'influence de la diaspora dans les pays d'origine, parce qu'il semble que parfois il y a quand même un écart de la distance entre la diaspora et le pays d'origine. Donc je me demandais si vous aviez des informations plus terre à terre concernant ce point. Je vous remercie. Merci pour cette question, Tracy. Eh bien, la diaspora peut et doit changer les politiques. Grâce à la technologie, on peut rester connecté et discuter, interagir très rapidement avec d'autres membres de la diaspora. Et ça, c'est tout à fait inédit. Et nous savons que les grandes diasporas peuvent avoir une influence politique et peuvent changer la donne. Nous avons constaté d'ailleurs en Irlande, de par le passé, que la diaspora a été entendue, la diaspora indienne a été entendue. J'ai organisé des réunions avec les élus locaux, avec les ministres, avec les représentants de la diaspora. Nous avons rassemblé plusieurs centaines de personnes par réunion, nous avons organisé plusieurs réunions. Et donc, il y a vraiment eu des débats directs avec les ministères, avec les gouvernements. Et je dirais que 80% des problèmes ont été résolus par l'intermédiaire de cette interaction. Les membres de la diaspora étaient ravis, le gouvernement l'était également. C'est dans l'intérêt de tout le monde, puisque les problèmes étaient résolus. S'agissant de l'influence dans les pays d'origine, eh bien, ce type de forum peuvent être également organisés. La diaspora peut se rassembler autour de problèmes qui touchent un village, qui touchent des problèmes sur le terrain. Il peut également y avoir des transferts de fonds vers le pays d'origine. Il peut également y avoir des interactions avec les ambassades, avec les gouvernements. Donc, l'interaction avec la diaspora, ça relève vraiment de la politique de développement durable. Et je pense que donc il faut promouvoir l'engagement de la diaspora auprès de la politique des pays d'origine. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Les diasporas façonnent les politiques. Alors, tout d'abord, il y a deux points. Tout d'abord, il s'agit de savoir si les gouvernements sont en faveur de cette interaction ou si ce sont vraiment les diasporas qui sont en demande. Donc, il y a une influence de la diaspora s'agissant des inégalités en matière de santé, s'agissant de la création d'emplois. Mais il y a véritablement des disparités entre les pays d'origine et de nombreux
gouvernements, d'ailleurs, sont assez enclins à permettre ces interactions. Ils ne veulent pas créer de distance avec la diaspora. S'il y a des divergences en matière de politique, eh bien, on a constaté par de nombreux exemples que la diaspora peut se mobiliser. Donc là, quand on dit politique, c'est difficile parce que la politique, ça veut dire beaucoup de choses. On peut parler de politique en matière de logement, d'éducation, de santé. Et s'agissant des politiques économiques, là, on parle d'investissement, de création d'emplois. Donc, l'impact sur les politiques donc, est difficile à évaluer. Néanmoins, on a constaté que dans des pays comme l'Inde, il y a eu la mise en place de politiques qui se concentrent sur l'engagement de la diaspora pour renforcer leur engagement et ainsi renforcer les politiques. Alors, dans votre cas, vous êtes retourné dans votre pays d'origine, mais bien souvent, les membres de la diaspora ne sont pas en mesure de retourner au pays. Et donc, il y a bien souvent une idéalisation de ce qui devrait être fait et il n'y a pas vraiment de vision claire de ce qui est en vigueur dans le pays. Merci. Donc, nous avons plusieurs questions dans le chat. Je vais donner la parole à Dr. Russell pour les questions. Merci. Alors, il s'agit véritablement d'un moment charnière pour la diaspora. Avec l'avènement des outils technologiques. Au cours des 10 dernières années, on a beaucoup parlé du secteur privé qui doit être plus actif. Donc, est-ce qu'à votre avis, les grandes entreprises de la technologie manquent une opportunité en matière d'interaction avec l'engagement ou est-ce que vous pensez que vraiment les grandes entreprises parviennent à saisir toutes les opportunités? Hear your question. A couple of things. I think the reason Meta focused on diasporas in this way, in the way that we've committed ourselves to. Je crois que la raison pour laquelle Meta se focalise sur cela, c'est que nous comprenons les comportements et les réalités de nos utilisateurs, particulièrement ceux du monde africain et du Moyen-Orient et de la Turquie. Dans ces pays, les gouvernements coexiste de façon très fluide avec la diaspora. Et je sais qu'une grosse partie du travail de Meta, c'est de livrer des packages dans ces pays-là. Nous comprenons comment nos utilisateurs vivent dans cette réalité. Et je pense que la technologie, c'est probablement un des éléments clés dans ce domaine. Quand j'ai commencé à travailler pour Meta, il faut que je dise d'abord que j'ai passé une grande partie de ma carrière dans le secteur public. Et c'est rare de passer dans le secteur privé ensuite. Et je vois qu'il y a des outils du secteur privé qui sont pertinents pour les membres de la diaspora. Et pour moi, ces industries, c'était la télécommunication, les télécoms. Quand on pense à la façon et à la rapidité avec laquelle le secteur des télécoms a compris qu'on avait envie de faire des appels vidéo, l'industrie du voyage, les aéroports, qui a compris qu'on pouvait rentrer 2 à 3 fois par an dans notre pays d'origine. Et tout ce qui est lié à la fintech également. Je pense que la technologie, c'est vraiment l'industrie du 21e siècle. Je ne sais pas où mes collègues et les autres entreprises en sont, mais vu la portée de nos outils, il est particulièrement important qu'on applique cela parce qu'en tant qu'Africaine, je suis en fait techniquement américaine, mais je m'identifie en tant qu'érythréenne. Mais je ne vis pas en Érythrée. Et d'une certaine façon, je me comporte comme une Américaine de la diaspora, mais je me focalise sur l'investissement en Érythrée.
Ce sont donc des complications, et c'est ces complications qui définissent nos utilisateurs. Ce qu'une entreprise peut penser qu'un utilisateur souhaite, c'est peut-être pas ce qu'un autre utilisateur d'une autre région souhaite. C'est pour cela que nous nous focalisons sur les membres de la diaspora qui vivent dans le monde occidental. Puisque, comme je l'ai dit, l'utilisateur moyen ne va pas avoir les mêmes demandes que l'utilisateur de la diaspora, pour qui ces moyens de communication sont essentiels et vitaux. Donc, j'apprécie votre question, Marc. Et ce que je dois dire, c'est que nos utilisateurs, nous ne les considérons pas comme des consommateurs. Nous souhaitons pouvoir leur permettre de réaliser leurs relations. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous avons une autre question. Je pense que c'est également destiné à vous de la part de Sandra Boulos, si vous souhaitez prendre la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Je suis Sandra, je viens de l'Agence suisse pour le développement et la coopération. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. J'ai donc bien entendu une question pour Madame Semar. C'était particulièrement intéressant de voir les opportunités et plutôt les différentes raisons d'utilisation de plateformes telles que Meta par la diaspora. Il a été également intéressant que vous parliez des risques qui y sont liés et des défis. Je me demandais donc comment vous soutenez les utilisateurs, notamment de la diaspora, pour diminuer ces risques qui sont liés aux plateformes numériques. Merci Sandra pour cette question. C'est une question très importante. En général, la désinformation, c'est notre priorité numéro un. Nous luttons contre cette désinformation. Et les impacts des contenus de la diaspora sont importants pour les réseaux locaux, mais également au niveau mondial. Donc, nous faisons plusieurs choses. Nous avons plusieurs équipes qui se focalisent sur la lutte contre la désinformation. Nous avons des politiques de contenu. Nous nous assurons que nos politiques sont logiques et sensées pour protéger les utilisateurs. Nous travaillons tous ensemble pour évaluer les différents défis et les risques. Et en plus de cela, nous échangeons avec les utilisateurs pour leur faire comprendre ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre la désinformation et aussi pour ne pas promouvoir ce type d'information. Je suis sûre que vous avez déjà vu dans votre fil Facebook une publicité qui vous demande si vous souhaitez en savoir plus sur la COVID-19, par exemple. Eh bien, ce sont des exemples d'échanges avec nos utilisateurs pour expliquer quelles sont les normes de communauté. Ce sont en fait des politiques et des paramètres de comportement acceptables sur notre plateforme, et nous présentons l'ensemble des violations qui peuvent être effectuées. Sur notre plateforme, il y a des choses très difficiles que nous ne souhaitons pas diffuser, que nous ne voulons pas que les utilisateurs puissent voir. Donc, tout d'abord, il faut informer les utilisateurs de nos politiques et expliquer pourquoi une page peut être fermée ou pénalisée. C'est pour cela que votre capacité à poster des choses, du contenu, peut être réduite. Il faut donc que les diasporas puissent comprendre ces normes de la communauté à l'avance. Et il y a eu un rapport de 72 pages qui a défini toutes les atteintes et les attaques envers certains utilisateurs. Donc, tout d'abord, nous avons travaillé sur ces normes de communauté et nous avons également traduit ces normes de communauté en plusieurs langues.
Par exemple, ça n'a aucun sens de faire dans certaines pages de poster un message dans les langues officielles de l'Union, pardon, des Nations Unies. Il faut que les personnes, les utilisateurs, puissent comprendre ces messages dans leur langue d'origine, leur langue maternelle. Parfois, on a aussi des versions mixtes avec de l'anglais également, plus la langue maternelle des utilisateurs. La dernière chose que je souhaitais dire, c'est que nous travaillons avec des organisations de la diaspora qui ont des réseaux et qui nous permettent également de diffuser ce type d'informations. Nous souhaitons promouvoir la lutte contre la désinformation et nous assurer que les messages soient laissés de façon sûre dans les groupes pour que tout cela soit fait en sécurité sur nos plateformes. Merci beaucoup d'avoir posé cette question particulièrement intéressante sur la gouvernance numérique. Je pense que nous avons tous beaucoup de travail à effectuer et nous avons envie d'entendre vos expériences. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Je vais maintenant donner la parole au Dr. Charles. N'hésitez pas à couper votre micro. Merci beaucoup pour cette session particulièrement intéressante. Merci, Sema, pour cette présentation particulièrement intéressante sur l'engagement de la diaspora. Et merci aux autres intervenants également. Je dois dire que moi, je viens du Sierra Leone, mais que je vis en Suisse depuis 18 ans. J'ai visité de nombreux pays africains de par mon activité professionnelle. Et ce que je dois dire, c'est que j'apprécie particulièrement ce genre de présentation. La plupart d'entre nous, membres de la diaspora, nous représentons deux aspects du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc cette double expertise. Par exemple, quand je vais au Royaume-Uni, j'ai l'impression d'être un petit peu un étranger parce que c'est un pays que je ne connais pas. En cas de catastrophe, nous sommes ceux qui connaissent les conditions locales. Nous savons comment contribuer de façon physique ou de façon virtuelle. Moi, je travaille dans des cliniques mobiles dans toute l'Afrique et je dois dire que dans nos pays d'origine, nous pouvons avoir une action et une contribution importante. Par exemple, les autorités suisses ont ouvert de nombreuses plateformes pour la diaspora. Par exemple, le Forum suisse-africain qui organise de nombreux programmes et il y a aussi de nombreux think tanks. Qui diffuse toutes les informations dont nous avons besoin. Nous travaillons avec les membres du service de la santé qui sont nécessaires sur place également. La plupart des pays d'accueil nous fournissent des ressources. Par exemple, la semaine prochaine, je vais prendre un vol pour l'Afrique pour travailler sur une nouvelle clinique mobile et nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons avoir une action la plus efficace possible. Je suis ravie que ce forum nous ait donné également une plateforme pour nous engager aux côtés de l'OIM, qui est un partenaire particulièrement intéressant. Ma question, c'est l'utilisation des ressources des ambassades et des consulats pour communiquer avec les diasporas, puisque ces ressources sont présentes dans le monde entier. Je travaille également avec l'OIM du Sierra Leone pour savoir comment nous pouvons améliorer cette communication.
Je pense qu'il serait intéressant de créer un bureau pour la diaspora dans chaque pays. J'aimerais savoir ce qu'on peut faire en plus pour davantage engager et accélérer l'initiative du Sierra Leone de contacter les différentes ambassades, puisque c'est quelque chose qui existe dans chaque pays, les ambassades. Bref, je voulais vous donner une vision plutôt générale. Je vous remercie pour votre opportunité, pour m'avoir donné l'opportunité de parler ici. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le Dr Saïd, qui est d'accord pour répondre à cette question. Merci beaucoup, Dr Charles. Je vous parle en tant qu'ancien membre du consulat à Chicago et j'ai également été ambassadeur en Arabie Saoudite. Une des choses que le consulat fait, c'est contacter différents groupes, notamment des groupes professionnels qui sont liés à la diaspora, par exemple des personnes qui ont vécu dans plusieurs pays et au cours de ces expériences à l'étranger ont acquis des connaissances qui sont particulièrement intéressantes. Ce que nous faisons, c'est que nous contactons des ingénieurs, par exemple, des docteurs, des entrepreneurs. Et si certains groupes existent déjà, nous les contactons également en tant que groupe et nous leur demandons les domaines dans lesquels nous pourrions nous concentrer pour utiliser leurs expériences. Ce que nous avons également fait, c'est que lorsque ces groupes n'existent pas et que nous voyons que le secteur privé, certains membres du secteur privé pourraient nous aider ou des universitaires, alors nous encourageons la diaspora indienne à former des groupes et ensuite à travailler avec les consulats. C'est quelque chose, le réseau des ambassades est quelque chose de solide, de présent dans le monde entier. Et nous invitons donc tous les ambassadeurs à effectuer ce genre de travail. Très souvent, quand les ambassadeurs voyagent dans les provinces, dans les différentes régions, nous les invitons à communiquer avec la diaspora locale. Et c'est comme cela que ces ambassadeurs peuvent identifier des compétences uniques de membres de la diaspora. Ce sont des compétences qui sont parfois non disponibles si on ne contacte pas ces personnes. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis, j'ai contacté un professeur qui faisait une recherche particulière sur les nanotechnologies pour améliorer l'efficacité des médicaments traditionnels indiens. Donc, c'est une compétence qui est très rare. Et les ambassadeurs et les consulats peuvent donc jouer un rôle particulièrement important dans la stimulation de la diaspora et dans les politiques du pays d'accueil. Merci pour cette réponse. Et merci pour cette session enthousiasmante. J'ai vraiment beaucoup appris. J'adore cette approche multipartite. C'est vraiment très intéressant d'avoir un dialogue avec tous les acteurs impliqués. Alors, avant de donner la parole à Dr Saïd pour la conclusion, je tiens à vous remercier. Merci au gouvernement irlandais qui nous a aidés à organiser ce sommet qui nous rassemble aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous donne la parole, Dr Saïd, pour des petits mots de conclusion. Merci, Dr Larissa Lara. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de modérer très efficacement cette session. J'aimerais également remercier le gouvernement irlandais pour l'organisation de cette session importante sur la diaspora numérique. Évidemment, nous allons assister aux autres sessions. J'ai vraiment beaucoup apprécié les mots de Semara Raya concernant la perspective de Facebook.
Je suis moi-même utilisateur des outils de Facebook qui me permettent de rester en contact avec les membres de la diaspora, notamment la période difficile du Covid. Donc, je connais l'importance des réseaux sociaux et des entreprises telles que la vôtre. Vous jouez un rôle important. Et c'est aussi important de donner au gouvernement ces outils technologiques pour interagir avec la diaspora, pour que les gouvernements prennent en considération la perspective des membres de la diaspora. Et je remercie également le docteur Kumar qui nous a montré des exemples de connexion entre le pays de résidence, l'Irlande, et le pays d'origine. Donc, nous avons abordé de nombreux aspects. Ça a été une session très fructueuse. Nous avons parlé du secteur privé, du gouvernement et des membres de la diaspora. Ces trois entités différentes sont donc connectées grâce aux technologies. Et j'attends avec impatience de poursuivre nos discussions de façon hybride en début de semaine prochaine. Je tiens donc à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette session et de l'avoir rendue si constructive. Je vous remercie.